aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes nouvelles créations du mois de mai. Donc j'ai décidé de faire des vidéos nouvelles créations tous les mois ou tous les deux mois, cela dépend du nombre de créations que j'ai à vous présenter. Et donc ce nouveau système va permettre que les vidéos durent moins longtemps et également qu'elles soient plus régulières. Enfin voilà, c'est un peu comme une vidéo rendez-vous au fin de mois. Donc voilà, j'espère que ce nouveau système va vous plaire et n'hésitez pas à réagir en commentaire en me disant si vous préférez comme ça ou si vous préfériez l'ancien système et je m'adapterai en fonction de vos avis. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc je vais commencer par les créations qui ne sont pas montées. Donc j'ai tout d'abord fait un petit téléphone vintage, voilà. Donc j'en suis pas du tout fan mais j'ai tourné le tuto, je sais pas du tout si ça vous intéresserait ou pas. Ensuite, j'ai une petite fiole Nutella des plus basiques. J'ai un cupcake à la fraise comme ceci, donc avec de la chantilly et des microbes rouges. Et la chantilly, c'est de la Wipam. J'ai réalisé une petite otarie comme ceci. Donc, elle date vraiment, elle, par contre, je ne l'ai pas fait durant ce mois, mais elle date des vacances d'hiver, mais j'avais complètement oublié de vous la montrer, il me semble. Donc voilà, je lui ai fait les yeux au marqueur, elle a un petit ballon sur son nez, voilà. Ensuite, j'ai fait une chibi comme ceci, donc ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait. Donc elle est un peu habillée en mode écolière avec une jupe, un haut tout simple blanc et un espèce de foulard bleu autour du cou. Ensuite j'ai un autre cupcake, donc c'est un cupcake à bachamalo, je vous les avais déjà montré dans ma précédente vidéo, sauf que j'ai rajouté la chantilly, voilà. Ensuite j'ai une petite créa géométrique, voilà, un petit pendentif comme ceci. J'ai réalisé un rainbow cake version pastel. Donc sur une assiette en porcelaine et il y a aussi ces deux petites parts, donc une toute simple, voilà, sur une assiette également. Et une autre qui est en train de se faire manger par la fourchette. Donc ces trois créations vont me servir à faire une miniature. Et enfin, dernière création non montée, c'est un Rubik's Cube version pastel. Donc je me suis inspirée de Miss Creative pour le réaliser. Donc j'adore cette idée. Le fait qu'il puisse bouger et tout ça, j'adore. Donc j'avais pas envie de faire l'original, voilà, je voulais un petit peu changer, donc je me suis dit bah je vais faire un version pastel. Ensuite on passe à mon seul et unique collier qui est un collier triangle, voilà, donc un collier géométrique toujours. Ensuite j'ai fait deux paires de boucles d'oreilles, donc la première c'est les petits cupcakes chamallow, donc ils sont exactement pareils que le premier. Et la deuxième, c'est une paire de fioles Nutella, sauf qu'il me manque l'étiquette, mais c'est juste parce que je n'en ai pas à la bonne taille. Et pour terminer cette vidéo, on va passer au porte-clés. Donc j'ai tout d'abord fait une petite pizza comme ceci. Donc il y a un nœud vert avec et deux breloques, donc une couteau et une fourchette. Et donc sur la pizza il y a des tomates, des poivrons, du jambon, des herbes de Provence, enfin voilà. Ensuite j'ai le cupcake chamallow toujours et encore, donc avec un nœud rose pastel et une breloque étoile. Et pour terminer j'ai fait une grosse collection macarons, enfin j'ai fait une collection de 6 macarons pardon. Donc vous avez le premier qui est vanille comme ceci, je l'ai monté avec du ruban de satin blanc et une breloque rich for you. Donc ils sont tous montés de la même manière, voilà, il y a juste la couleur du ruban qui change en fonction de la couleur du macaron, en pêche avec un ruban pêche, et donc tous les rubans presque viennent de chez Perlaya en rose pastel, voilà. D'ailleurs un tuto sur ma chaîne pour les personnes qui s'intéressent, je vous le mets à l'écran et en barre d'infos. J'ai fait le même en lilas, en bleu d'eau, voilà. Aussi en menthe, voilà, j'ai fait toutes les couleurs pastel. Et donc celui-ci c'est le seul qui a un ruban qui ne vient pas de chez Perlaya, voilà, mais je trouvais que ça allait plutôt bien avec. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! I had this trip on my trap queen, cause all we know is bands. I just might snatch a Ferrari and buy my boo a lamb. I just might snatch up a necklace, drop a couple on the range.